Bonjour et bienvenue dans le tuto de Game Facile. Aujourd'hui, on va créer un maquillage. On obtiendra ce type de résultat et tout le monde pourra réussir parce que c'est un niveau vraiment facile. Je vous fais confiance. C'est parti. Alors sur ma photo, je vais rajouter un calque vide. Comme ceci. Et je vais lui rajouter un mode de superposition, donc superposé. Voilà. Je vais peindre en noir. Donc je clique dessus. Je choisis la couleur noire et avec le pinceau, je vais choisir une brosse qui va être assez floue. Je vais aller zoomer sur le visage et je vais choisir une taille un peu plus grosse. Voilà la taille adaptée. Je vais commencer à maquiller. Voilà, après c'est au choix de chacun, la forme qu'on veut donner. Je vais augmenter un petit peu la taille de mon outil pour avoir un dessin un peu plus flou encore. Et après, si on n'est pas content de la forme, on peut toujours revenir et gommer. Toujours de manière floue. Après ça, donc, je vais continuer sur le deuxième œil. Je rétrécis mon outil, je peins. Voilà. À la suite de ça, je vais, alors bon, je vais changer la couleur. Donc, je vais aller dans couleur justement. Teinte et chroma. Je vais augmenter le chroma. Et ensuite, je vais choisir une couleur différente. Donc, quand je vais bouger la barre de la teinte, j'obtiens une couleur qui change. Ici, on n'a pas l'ensemble des couleurs qui nous intéressent. Mais on peut avoir un autre outil de changement de couleur. Je vais remettre celui-ci à 0. Je vais valider, mais je vais garder le chroma à 100%. Je vais aller dans couleur. Cette fois-ci, teinte et saturation, et je vais avoir plus de choix de couleurs. Je vais toucher le rouge. Et je vais changer la teinte. Alors le rose là, ça m'intéresse. Je vais valider. Et je peux toujours revenir sur l'opacité aussi. Voilà, je suis content. Je vais maintenant rajouter un calque pour les lèvres. Je vais faire la même chose que pour l'autre. Je vais le mettre en mode superposé. Je vais venir peindre sur la bouche avec une taille d'outil adapté. Je vais aussi zoomer pour pouvoir mieux dessiner. Voilà. Je vais employer les mêmes méthodes que tout à l'heure. Donc je vais aller dans couleur, teinte et chroma. Je vais monter la couleur au maximum. Je vais changer, je vais valider, je changerai la couleur dans le deuxième outil de transformation, donc dans teinte et saturation. Je touche le rouge et je change la teinte. Je vais choisir cette couleur, je valide. Et je viens modifier l'opacité. Alors je suis pas forcément content de la forme du dessin. J'aurais mis peut-être un peu plus de flou, plus d'estompe. Mais là je peux pas revenir dessus maintenant. L'essentiel était de vous montrer l'effet maquillage. Après, libre à vous de donner la forme que vous voulez au maquillage. Alors c'était super de vous avoir auprès de moi pendant toute la durée de ce tuto. N'hésitez pas à laisser votre avis, un petit pouce bleu fait toujours plaisir.
Et puis, si vous voulez voir plein d'autres tutos, abonnez-vous.